Bonjour et bienvenue sur Optra d'Archerie, c'est Robin Gardeur et on commence donc cette nouvelle saison avec une vidéo, donc la première vidéo du mois de septembre. Et je pense que sur cette vidéo, du coup, ça va être un petit peu une synthèse de la saison dernière et une avec voilà tout ce qui s'est passé, les deux championnats que j'ai fait, donc championnat de France campagne et championnat d'Europe 3D. Donc faire un petit peu le bilan là-dessus, vous parler des différents projets pour cette saison et voir un petit peu comment la chaîne va aussi se diriger. Bon, on va commencer directement par la partie compétition et bilan sur la saison. Mais voilà, champion de France de tir campagne en longbow, donc première médaille de l'histoire pour les longbows en tir campagne. Donc vraiment content. Déjà, très très belle médaille. Les nouvelles médailles, je les aime beaucoup. Elles sont vraiment sympas. Ça change un petit peu, parce que ça faisait presque... ça fait plus de 10 ans que j'ai les mêmes médailles. Et d'avoir des nouvelles médailles, ça donne un petit peu... quelque chose qui marque un petit peu le pas. Cette expérience du tir campagne a vraiment été exceptionnelle pour moi. J'y ai pris beaucoup de plaisir. Un tir qui était... je vais pas dire plus facile que le 3D, différent, qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur et qui est aussi très intransigeant dans le sens où on peut ne pas faire de paille mais ne pas faire de point non plus parce que la cible en elle-même en fait ne tolère pas les erreurs de tir. C'est-à-dire qu'on n'a pas droit au latéral, on n'a pas droit aux erreurs de distance parce que de suite on le paye. Sinon vraiment un parcours sympa, je me suis régalé. De beaux dénivelés, de belles pentes, de belles distances aussi. J'apprécie quand même tirer un petit peu plus de 30 mètres parce que mon arc me le permet et c'est un exercice que j'aime énormément faire. Et le campagne, une très très belle expérience. J'espère un jour qu'on aura quand même des championnats d'Europe pour les tireurs longbow en campagne, ça serait cool. Parce que c'est une discipline où je prends beaucoup de plaisir et c'est dommage, je trouve, de ne pas pouvoir la faire à plus haut niveau. Mais ensuite, le championnat de France, mais non, on n'a pas eu de championnat de France, mais le championnat d'Europe 3D, pas mal de choses à dire. Déjà, il y avait vraiment un très très gros niveau sur la compétition. Les parcours n'étaient pas très durs en soi, beaucoup plus faciles qu'en France. Des distances assez courtes. J'ai été surpris les deux premiers jours de compétition parce que pas l'habitude de tirer des animaux aussi près. Quand je dis animaux, c'est cible 3D. C'est une erreur de langage, des cibles plus aussi proches. Ça perturbe au premier moment. J'ai eu beaucoup de mal à me calibrer sur ces distances courtes. Tout simplement, en France, on tire des parcours très durs. Franchement, on a les parcours les plus durs d'Europe, à mon avis. Que ce soit au niveau des distances, ou au niveau des cibles, au niveau des placements, au niveau des angles de tir. On va dire qu'on cumule toutes les difficultés sur une cible en France. Et en international, on va avoir une difficulté par cible, voire rarement de difficultés, à part d'aller chercher le 10 ou le 11. Donc un petit peu de mal à me calibrer, en plus on était en altitude donc ça aidait pas, plus le froid, ça aidait pas forcément à bien se calibrer de suite. Mais de très très beaux parcours, un très très bel endroit, j'ai pris énormément de plaisir à tirer. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti des scores qui frôlent les 400, enfin longtemps, ça fait 2 ans qu'on n'a pas de compétition. Et on a eu une saison très très courte où j'ai changé plusieurs fois d'arc parce qu'il y a des petits soucis sur des arcs, sur des flèches, sur des soucis matériels. Mais la saison étant très courte, on n'a pas eu le temps nous de faire beaucoup de parcours et de monter en score. Je pense que sur une saison complète, j'aurais fait sûrement une meilleure place en individuel. Donc c'est ma plus mauvaise place en individuel depuis 2013, je crois, il me semble. 2013 ou 2014. Ça pique un petit peu. On voit qu'on n'est pas au niveau, que ce soit techniquement ou au niveau du matériel. Et ça permet des pistes de travail pour l'avenir. Ce que je peux dire sur la compétition, c'est que les autres nations étaient prêtes. Gros niveau de tir,
des archers qui étaient très motivés et qui savaient ce qu'ils... Enfin voilà, ils venaient pour gagner une médaille, ils venaient pas pour enfiler des perles. Et mon dernier match, que je perds en individuel, en fait j'ai rien pu faire. J'ai bien tiré, sauf que pas assez bien tiré. Donc je peux pas avoir de regrets, parce que moi j'étais content de mes tirs. Mais en face de moi, voilà, les gars ont vraiment envoyé du lourd. Voilà, des scores au-dessus de 55 sur du 6 cibles en one shoot. Donc voilà, la moyenne c'était 56, 57. Il y a des mecs qui ont sorti plus de 60 points, 62 points pour un archer espagnol en longbow sur 6 cibles en one shoot. Ça laisse pas beaucoup de doutes et pas beaucoup de place, on va dire, à l'erreur. Après, polémique ou pas polémique, beaucoup tirent trois doigts dessous. Alors je sais qu'en France, on n'est pas encore prêt à passer trois doigts dessous, on est assez réfractaire là-dessus. Je vais pas dire que je suis réfractaire, mais j'ai du mal. J'ai testé par curiosité, c'est vrai que j'aime pas du tout. C'est quelque chose de... peut-être qui va pas dans le sens de mes convictions, et j'ai du mal à m'y projeter dessus, mais je trouve que l'équilibrage de l'arc est moins bon, la balance dans le grip est moins bonne. Voilà, c'est pas mal de petits détails qui font que moi je suis pas fan du passage 3 doigts dessous, mais j'ai vu des archers qui tiraient vraiment très très bien, et voilà, ça va être dur de plus en plus d'aller chercher ces archers là. Bon, ce qui me fait un très très bon défi, parce que c'est intéressant de se fighter contre eux. Par contre, je pense qu'à terme, je vais plutôt travailler sur le matériel, c'est-à-dire garder une technique de tir plus tradie avec la prise cigarette, mais jouer sur du matériel, on va dire, un peu moins tradie, avec des arcs un peu plus lourds, un peu plus hybrides, un peu plus rapides, un peu plus stables. Voilà, travailler plus sur le matériel, histoire de pas se tirer une balle dans le pied complètement, mais être plutôt, comment dire ça, plutôt dans le game que contre le game, en fait, pour essayer de, voilà, d'aller chercher un titre de nouveau. Mais voilà, j'ai vu des archers qui m'ont impressionné, avec des techniques assez atypiques, dont un Autrichien qui a fini champion d'Europe en snapshooting, il tirait plus de 65 livres, voilà. Mais on peut encore, en fait, avec une technique de tir de chasseur, une technique de tir plus rugueuse, on va dire, faire quelque chose en international. Donc c'est là où je me dis qu'on a encore, pour les tireurs, je ne vais pas me classer dans les tireurs tradis, parce que entre mon look et ma façon de tirer, je ne suis pas le plus tradis de tous, mais on va dire avec des tireurs... moins berbeau, plus lombeau, voilà. Qui tire un tir intuitif, qui essaye d'avoir un tir propre, on peut arriver, à, je suis sûr, à rivaliser avec ces mecs-là. Dans les projets que j'ai, justement, pour travailler tout ça, c'est de partir faire des compétitions un petit peu à l'étranger, pour me préparer un petit peu mieux sur les saisons prochaines, hein, parce que je pars du principe que plus on va pratiquer, meilleur on sera le jour de la compétition. Je vais quand même parler de positif sur ce championnat d'Europe, c'est que je suis revenu avec une petite médaille. Donc là voilà, médaille de bronze. Alors si elle veut bien s'orienter, voilà. Médaille de bronze, en plus elle est gravée, ça c'est super. Alors je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, voilà. Donc c'est la première médaille pour le double mixte. Donc c'était la première année où le double mixte n'était pas un test, mais il était officiel. Et ben voilà, je reviens avec une médaille. Alors comment s'est passé ce double mixte? Déjà, voilà, j'étais avec Daniel Ramos en équipe, qui me suit depuis très très longtemps. Daniel, ouais, c'est une longue histoire. Ça fait partie de mes idoles dans le tir à l'arc quand j'ai débuté. C'est quelqu'un qui m'a énormément apporté dans le tir à l'arc et qui m'a permis d'arriver au niveau où je suis, que ce soit tant techniquement que mentalement. Dans les moments durs, c'est quelqu'un qui m'a toujours soutenu. Dans les gros moments de compétition, elle a toujours été là. Et c'est quelqu'un à qui je dois beaucoup, et aller chercher cette médaille en international avec elle, ça a vraiment été un moment très très fort. Très beau match, en plus on avait une grosse équipe en face de nous, l'Espagne qui est quand même...
ben, ce sont des très très bons archers longbow et ils font partie des meilleurs mondiaux, quoi qu'on veuille. Ils ont eu plus de médailles que nous, ils étaient devant nous. Et voilà, il n'y avait pas trop le choix, il fallait qu'on soit très très bon face à eux. Qu'est-ce que je retiens, mais cette dernière cible où et voilà, il fallait que Daniel fasse 4 points pour qu'on soit à égalité. Donc avec 5 points, on savait qu'on avait gagné. Et moi, je devais tirer derrière. Et en fait, je lâche ma dernière flèche en sachant qu'on a déjà gagné. Et ce que je voulais, c'était vraiment faire une belle flèche et clôturer sur un très très beau tir. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et franchement, j'en suis content en fait de ne pas avoir lâché alors que c'était déjà gagné. D'avoir tenu jusqu'au bout pour finir ben, sur quelque chose de magique et un instant qui pour moi va rester très très longtemps dans ma tête. Donc très très belle expérience double mixte. J'espère pouvoir refaire ça dans l'avenir. Parce que c'est pas vraiment du tir par équipe, c'est du tir par équipe individuel. Pour le décrire, c'est un petit peu ça. Et c'est une expérience qui me donne envie que j'ai envie de retenter, parce que ça a été vraiment particulier à tirer. Et je pense que dans l'avenir, ça va devenir quelque chose de sûrement très très fort au niveau du 3D. Bon, ensuite, les matchs par équipe homme, on a manqué de cul, tout simplement. Des bons tirs, des bonnes sensations. Mais voilà, la chance n'était pas avec nous. Toujours à 1 mm des cordons, ou toujours un petit décalage dans le tir, un petit truc qui faisait que ça accrochait pas. Moi je remets la faute juste sur le manque de compétition. Voilà, tout simplement, on n'a pas fait de compétition pendant 2 ans et il nous manquait le petit truc qui fait que l'œil est plus affûté, on a un peu plus de rage, un peu plus de... Voilà. Il nous manquait ce petit truc après des matchs magnifiques avec un niveau... j'ai jamais vu des matchs avec un tel niveau en international. C'est juste ouf. Les scores qui sont sortis, le niveau de tir de chaque archer. Et voilà, perdre, quand on perd à un point face à l'Italie, ben c'est un point, c'est rien. Avec des archers qui ont très très bien tiré. Un très très grand Faletti à Longo qui a encore montré qu'il sûrement le meilleur. Même s'il n'est pas sur le podium, il a encore montré qu'il était sûrement le meilleur. Et puis voilà, il ne faut pas avoir de regrets, il faut savoir qu'on a des choses à travailler, il va falloir bosser cette année. Et surtout penser à se faire plaisir, parce que le tir à l'arc c'est pas mal de plaisir, donc on va bosser beaucoup là-dessus. Écoutez, maintenant je vais parler un petit peu plus de la chaîne YouTube, des évolutions de la chaîne YouTube. Pas mal de choses vont sortir là, une autre chaîne YouTube pour une autre activité que je fais. Là ça va être purement du coaching et un petit peu de médias et compagnie, vous verrez ça plus tard. Surtout il va y avoir des évolutions, je vais parler un petit peu plus de chasse à l'arc, je vais essayer de vous faire des films de chasse à l'arc. Alors le film de chasse à l'arc c'est assez compliqué pour deux choses, c'est que alors je vais essayer de filmer avec ma caméra sport. Donc je mettrai ou sur la poitrine ou sur la tête, mais ça risque de bouger, ça risque d'être assez moyen, mais je vais essayer d'avoir quelqu'un qui me suit avec ma caméra pour justement me faire des bonnes images. Donc voilà, faire produire des films sur la chasse à l'arc au tradi et un petit peu à l'arc à poulie, parce que je vais chasser avec des copains qui sont aussi à l'arc à poulie, ça permettra de faire des films un petit peu sympas. Ensuite, je vais essayer de parler un petit peu plus de préparation physique sur la chaîne YouTube. Pourquoi ? C'est que là, j'ai projet de moi aussi là, de me remettre un petit peu plus à la muscu, de prendre un petit peu plus de masse musculaire et compagnie pour être plus stable dans mon tir. Et vous parler aussi, parce que ça c'est important, parce que ben, c'est mon métier, de mes coachings. Donc je vais développer de plus en plus les coachings rope trad archerie. Donc avec du coaching online, avec du coaching physique, avec plusieurs formules de coaching et des prix adaptés à tout le monde et à toutes les bourses. Donc ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou
sur Facebook ou même voilà, vous avez directement mes coordonnées via le site internet. Et je vais aussi pas mal communiquer sur des nouveaux produits que je suis en train de designer ou en train d'importer. Donc je suis actuellement revendeur aussi pour Great Plains en plus de Falco et très bientôt aussi pour Mintz Tradition. Donc je vais rentrer en gros deux nouveaux fabricants, voire trois, parce qu'il y a un troisième qui arrive, mais pour le moment rien n'est trop officiel. Donc vous verrez ça très très vite dans les mois et semaines à venir. Donc voilà, j'ai à peu près passé tout ce que je voulais dire sur la chaîne. Je parlerai aussi toujours un petit peu de coutellerie. Pourquoi ? C'est que je me remets un petit peu à la coutellerie, à la fabrication. J'ai rallumé la forge il y a très peu de temps, par plaisir, le week-end. Et c'est possible que je vous filme 2-3 petites vidéos pour vous montrer mes étapes de fabrication. Bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous remercie.